Et moi, c'est Koshnik. J'espère que tout le monde va bien. Et si ça va pas, bon courage chez le bon rétablissement. Aujourd'hui, on se retrouve sur Mar Wednesday Night. Mar? Mar ou Maer? Mar. J'en ai marre. J'en ai marre. Un jeu français d'horreur. Oh oui. Un français. On va l'entendre, on va l'entendre. Enfin, je vais faire en sorte qu'on entende les voix en français. Donc, on va laisser la petite cinématique du début et puis on parle après. Bah bien sûr. Alors audio en français, sous-titres en anglais pour les anglophones qui nous regardent, en mode normal. Faut bien penser à tout le monde, le petit genre, hein. Donc je pense que le son est au maximum, donc ça devrait aller. Voilà, et c'est parti. C'est bon, son casque est branché. Bon, l'expérience est sur le point de commencer. On est en train d'établir votre profil, ça ne sera pas long. Tout est stable, je lance la génération de l'univers. Ok, vous allez bientôt commencer votre aventure. Vous allez être immergé dans un rêve créé à partir des données qu'on vient de collecter. On va tout vous expliquer, mais surtout ne retirez jamais votre casque de réalité virtuelle. Il est directement lié à votre activité cérébrale. Attends, viens voir, on a un retour étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, le générateur est en limite. Bon, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. Ici, on relance le processus, mais c'est trop long. Il est déjà... Voilà. Donc, nous, voilà. Et il va y encore parler encore un petit peu, et puis... On pourra parler, enfin... On va le laisser parler, hein, le monsieur. Oui, hein. Purée, tu viens de la voir, mec. Ouais. Bon, voilà, on diminue un petit peu quand même. Hein, ça fait parler. Genre la guerre, là, il va voir que... Donc voilà, c'est Neko qui joue, bien entendu. Donc non, tu vas trouver la pièce de transfert. T'étais à fond dedans, donc. Non, non, j'étais pas à fond dedans. Je te laissais l'image. C'est bon, c'est bon. C'est un peu le bureau. Hein. Orange, hein. Attends, c'est comment qu'on a vu. Avec les flèches ou avec les... les... Non, attends, je pense. Ah, il y a une autre lumière quelque part. Avance. Il est derrière toi. On est mort, hein. Tourne à droite. Vous avez compris ce qu'il voulait? Franche lumière. Bon, tourne quelque part, hein. Parce que... Oh, pas de l'arrière. Attends, je vais où là? Arrête-toi. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce? Hein? Ah, quand c'est toi qui joue, il la ferme, hein? Bonjour, monsieur. Monsieur. Monsieur le petit garçon qui fait que... peur, qui fout les jetons. Bah disons que c'est vrai que c'est un petit garçon comme ça. Tu crois me faire peur. Bon, ça pourrait être tentantieux, donc on va éviter de se mettre trop près de lui. Hein. Bon, pour fermer. Il joue à 1, 2, 3 soleils. Ne jouez jamais avec lui à 1, 2, 3 soleils. Vous perdez d'avance. Regarde, 1, 2, 3 soleils. Il ne bouge pas, jamais. Ça quoi? Même ses jeux. Non, même ses cheveux, mais il cligne pas les yeux, y'a rien. Et c'est qui court là? C'est nous. Ah bon? Ah, c'est quoi toi? Ah! Attends, c'est quoi? C'est on qui? On voit l'âge, le prénom, le numéro qu'il avait et le commentaire. 21 ans, Denise, trop vieille, donc pas de survie. Ah bah, elle est déjà trop vieille, en fait. Bernard, 12 ans, cauchemar au bout de 25 secondes, donc pas de survie. Ah, il n'y a qu'une seule personne qui a survécu. Marie, 7 ans, est ressortie muette à 2 minutes 30 environ.
Marie s'étend, non, pas sur lui. Hein. Crise cardiaque, manche lumière. Ah, voilà, il y a Azast qui est morte. Elle avait 5 ans. Et elle est morte parce qu'il n'y avait, parce qu'il y avait pas de lumière. Personne ne sait. Elle est morte parce que la lumière était éteinte. Bon, si vous étiez allé à l'absence de vie, petit genre, vous mourrez. Dormez avec une veilleuse. Regardez-moi ce tableau magnifique. C'est quoi ce truc rassurant? Tac! On vient sûr. Oh! Oh, le truc que je voulais pas que je déteste par-dessus tout ça. Le truc qui court, ça résonne dans tout le bazar. Mais qui habite là-dedans? Toi, t'arrêtes de me suivre. C'est un manoir, ce truc. Ah ben, c'est un éléphant qui court. Je crois que c'était censé être lui qui courait, mais que vu que je le regardais, ben, il n'a pas bougé. Mais oui, c'est un éléphant. C'était un éléphant qui court, non, je dis. C'est pour faire un petit stress. C'est un éléphant sur le toit. Ah, ah non, ça, oui. Il n'y a pas de cul de sac. Il y a. Ah, mais. Je vais t'aller me dire non. Malheureusement, c'est. Je vais te rassurer. Bah, même c'est pas moi qui joue, hein, mais. Je vais quand même te rassurer. Comme... Bah voilà, on a un cul de sac. Parce qu'il joue très bien. Mais ils vont se taire. J'arrive, hein. Oh. Je vais la trouver, votre chaise. Regardez, voilà. On a trouvé une chaise. C'est toi qui parles. Voilà, voilà. Il est pas par ici. Mais bon, le lampe mange lumière, il mange la lumière en silence, hein. Ça quoi? Non, d'un cochonnet. Non, d'un cochonnet. Il est là-bas, on le voit. On le voit. Ben, on le voit pas, mais on voit l'élan toi qui s'éteint. Et ça, c'est le bruit qu'il fait, en fait. Mais bon, on a compris. On a compris qu'il mangeait la lumière. Faudrait lui dire que c'est pas bon pour la santé. Et ça, quoi? Oh! Et moi, je suis le mange-pizza. Mange-pizza? Oh, mange-pizza, ce serait bien, ça. Bon. Oh, manger, non. Je dois trouver les gens, les petits gens de maman. Ah. On va se bouffer. Ah. Ah, y'a, qu'est-ce qu'il fait? Il fait noir. Ben, il a mangé la lumière. Il a mangé la lumière. Mais c'est quoi ce truc que t'as un truc de largué, hein? Ou... Bah, c'est pas ce qu'il nous a eu. Voilà. C'était bien stressant. Hein. C'était le mange-lumière. Ouais. Qui? Pour ceux qui n'auraient pas compris, ne mange pas des lumières, mais des gens. Ah, trouvez la logique. Ben oui, ah ouais, si on est il est beau, il les tue juste. Ben, je vois pas l'intérêt de manger des lumières et tuer des gens. Ça va si on a une lumière. Merci, merci. J'ai réfléchi pendant toute la vidéo. Et c'est surpassé pour... là. Voilà, mon cerveau là, il surchauffe. D'habitude, c'est bien qu'il surchauffe, mais je l'ai contaminé en fait. Voilà, c'est tout à fait donc, ça. Le petit genre. Nous allons vous laisser là. Ça vaut mieux pour nous parce que nos cerveaux ils n'en peuvent plus. On n'a plus de lumière en nous. Bon, ça, genre, on arrête avec les lumières. On arrête. On vous dit à lundi. D'ici là, n'achetez pas d'ampoule. Non, allez, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas le petit j'aime. Soyez bien sage. Je m'empêche de le dire à chaque fois. De vous abonner. Scandaleux. Commentez aussi, c'est très bien. Abonnez-vous, aimez-moi. En fait, c'est ce que j'ai raconté il y a un moment. Non. Mais allez, quoi, derrière moi. Haha. C'est magnifique. Oh, c'est mignon. Bref, aimez notre vidéo et nos vidéos, toutes nos vidéos. Portez-vous bien et à lundi. Bisous, ciao, ciao, moi. Bisous de Cochonet Kenneko.